Bonjour tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Massilia. Alors j'ai pas chômé, hein. J'ai passé quoi, on va dire entre 5 et 10 tours, plus près de 10 je pense, pendant lesquels j'ai conquis la Britannie et... Oui, allez, pas de soucis. La Britannie et... Bithynia et Pontus. Alors, vous allez voir, voici les seuls survivants Isen que je vais m'empresser d'aller éliminer. Voilà. Ah, il en restait. Ah, il reste peut-être une flotte, effectivement. Qui traîne je ne sais où. Ici. Bon. Ils mourront, ce n'est pas grave. Et j'ai aussi conquis Bosporus, pardon, Bosporus, autant pour moi. Eux, il n'y a plus de survivants. Pour le coup, c'est clair et net. Il n'y a plus personne. Avec eux, je vais me diriger vers Samandar et les cités là qu'il y a par là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein, parce que j'ai déclaré la guerre au Aorsi à l'aide de mes alliés. Bah, tout simplement hein, pour conquérir un peu de terre. Au niveau technologie, hein, vous pouvez le voir, j'ai enfin vous allez le voir, hein, j'ai fini philosophie 2 et je suis en train d'entamer construction 2. J'ai déjà entamé construction 2 qui me permet de débloquer pas mal de bâtiments. J'ai d'ailleurs énormément d'académies en cours de construction, hein, vous voyez. Donc là, 6 tours, par exemple. Et là, bah, je vois que j'avais 50 000 et je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Bon, heureusement, je gagne 10 000 par tour, mais il y a du développement à faire. Voilà. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, hein, pour ce qui est de Britannie, il me reste encore Iska à conquérir. Donc je vais y aller sans plus tarder. Hein. Bon, avec eux, ils sont un peu pestiférés, mais c'est pas très grave. On va attendre qu'ils ne soient plus pestiférés, ça devrait passer. Je suis également arrivé en Égypte un pouilla trop tard, effectivement. Ah, bon, ça pue. Heureusement, j'avais gardé deux armées hein, à mes frontières. Bon, c'est pas très grave, hein, bon, ça me permettra de toujours être pote avec eux. J'ai oublié ça. Voilà, j'avais gardé une armée Octodurus que je vais m'empresser d'emmener à Vesontio, pardon, et que je vais m'empresser d'améliorer surtout. Voilà, on va faire un petit siège, de toute façon on n'a pas de perte due au siège. Et... Ah zut. Et je vais m'avancer petit à petit ici en mode embuscade. Voilà, je sais pas, ils ont des carrières qui à Trébat. Non, c'est à Trébat qui sont leurs alliés, c'est ça? Ouais, mais ils ont pas suivi. Très bien. Eux, ils ont encore la peste, c'est pas vrai ça. On va les mettre là, en fortifier. Voilà. Comme ça, ils poseront pas de problème. Ah ouais, c'est vraiment le chemin le plus court. Bon, je vais emmener ma flotte à Flevium. Ah ouais, il va vraiment faire tout le tour là. Bon, si c'est le chemin le plus court, écoutez. C'est comme ça. Direction, oui, on avait dit Samandar avec eux. Direction là-bas avec l'armée Toto.
Et là-bas avec les ailes de Pégase. Je vais pas les faire aller les ailes de Pégase, hein, je vais pas les faire courir, on sait jamais. Et mes rouées, bah. Ils ont pas l'air de vouloir, donc je vais avancer, et puis je vais prendre leur dernière ville. Enfin, leur cité. Alors, je suis vraiment donné perdant? Contre ça? Bon. Eh ben, je mène la bataille sur le champ. Et on se retrouve de suite.
Eh ben, une victoire, écoutez. Moi, je comprends que j'étais donné perdant. En fait, ils avaient un moral absolument formidable. C'est-à-dire, ils étaient deux à la fin, ils étaient en mode, oh non, c'est bon, nous on tient, on a du moral, on s'en fiche. Bien sûr, je refuse l'accord commercial, j'ai envie d'avoir Britannia en entier. Oula, il y a beaucoup de Bacardi, dis-donc. Ah oui, j'ai oublié de reconstruire. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Qui m'arrivent un peu trop souvent, mais bon, c'est pas grave. Ils en ont pour longtemps, eux. Ils reconstituent. Ça y est, enfin! Purée, j'y croyais plus. Hop. Allez, bougeons petit à petit. Oh oh. Relever une armée d'urgence ici. Saloperie de rebelle, tiens. Hop, et on recrute autant que l'on puisse. Il attaquerait le tour prochain. Ah, c'est dommage. Ici, oui, on va attaquer Meroé. On va prendre Meroé. Que l'on occupe, bien évidemment. Chargera du reste le tour d'après. Voilà, il y a quelques couches qui sont survivants, mais ça devrait passer là. Alors, ils vont perdre peut-être Ptolémée Estéran. On va voir. Saint-Andard est tombé, ça m'étonne pas. On va l'embêter les Roxolans. Voilà, on s'approche des frontières. Qu'on retrouve un peu de grec de l'autre côté avec la Bactrie, je crois, qui est par là. Oh, une bonne Bactrie, hein. Hop, hop, je voulais vérifier quelque chose. Ah, oh, saloperie de disciple de Poséidon, tiens. Ils ont quel âge, ils ont quel âge, tout ce beau monde. Alors que je les marie si je veux des descendants. 40 ans, oula, c'est un peu trop vieux. 33, oula. Je veux pas 33, mais bon, tu es bientôt stérile, donc non, merci. Hop, voilà. Ouais, je sais pas combien il va falloir de tours là, de reconstitution. 3. Oh, ça va. Ils ont pas fini, hein. Inclusion, comme on disait. Alliance rompue, Bactrie. Oh. Cosy. Je vais où? Oui, c'était là-bas. Petit trou de mémoire. Dada. Pardon. Voilà, on va territoire Roxolan. C'est pas nous. Non, c'est pas vrai. C'est pas nous même que. Je plaide non coupable. Il y a du coq hein, par là. Ah, le poulet, ils connaissent. Hein, les Roxolans, précurseurs de KFC, je sais pas, peut-être. Ah oui, là, allons attaquer ces rebelles. Tac, 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 les rebelles et Blani. On tue, on n'en veut plus. Voilà. Stratège, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait? On dissout les unités de mercenaires parce que ça coûte cher. Oui, ça y est. Pensons à ça. À cette ville. Qui était pleine de bas quartiers. Et on va continuer le développement des autres villes et cités. On a besoin d'argent.
Donc, on va se faire de l'argent. C'est pas plus compliqué. Par contre, en vrai de vrai, ils ont pas eu beaucoup de pertes, hein. Je vais tenter une embuscade, on ne sait jamais, ça peut passer. Peut-être qu'ils préféreront récupérer leur ville plutôt que en prendre une nouvelle. Ce qu'on va voir. Eh ben, il y a du temple hein, ici, par contre. Hein. Voilà. Et on changera le type de construction le tour d'après. J'ai totalement oublié les Nerviens. Oh! Bah voilà, quand on parle d'eux. Voilà, je leur donne le statut de client. On va voir ce que vont me dire les Marcomans. Mais eux-mêmes sont mes clients. Ils devraient faire la paix, je suppose. Les pirates, on chasse, bien évidemment. Qui sont ceux-là? Ok. Imperium, c'est bon. Que nous manque-t-il? Construire le culte d'Épèse, 20 technos et des colonies dans laquelle notre culture est dominante. Ça, il en manque, hein. Il en manque beaucoup. Ça finit en victoire militaire, je pense. Pour cela, je dois faire une alliance avec Rome ou le démonter au choix. Dans un premier temps, développons notre technologie. Voilà, ici, ça reconstitue tranquille. Eh ben, vol s'il te plaît, parce que là, ils ont beaucoup d'armées. Hein. On va faire venir ton ami. Confédération bretonne. Ah ouais, ça rigole zéro. Voilà, à la bien, ils vont attaquer Sarai. Les ailes de Pégase, ils vont attaquer Gélonus. Parfait, en plus ils ont bien divisé leur armée, c'est parfait tout ça. Parce que j'aurais pas gagné grand-chose hein, avec cette armée de mercenaires, je pense. Donc ils ont quand même eu pas mal de victoires, hein, mine de rien. Hop. Et Sarai, résolution auto, mode protection, voilà. Ah, ils ont encore des terres, très bien. Ben, avec l'armée de Toto, on va aller à Actaou. Parfait. Allez, reprenons le développement de nos provinces. Ah, Bosporus. C'est parti, Rhaetianericum. Ok. Eh ben, ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Ouais, on fera un édit en Britannia. Ce sera le mieux à faire, je pense. Ici. Ah, ils sont tombés. Ah oui, parfait. Je vais essayer de commercer avec les Axum, enfin voilà, non. Ouais, ils sont un peu trop perdus. Hein. Je vais aller les embêter un peu. Ah, il nous faut. Oups, il nous faut construire, j'ai oublié aussi. Il nous faut des provinces. Ah, cette fois, c'est une traduction non enseignée, c'est pas grave. Oui, du commerce, c'est bien ça. On va en profiter tant qu'il n'y a pas de bas quartier. Ça pourrait vite devenir embêtant, problématique, je veux dire. D'ailleurs, je vais développer. Non, c'est bon, c'est développé ici. Ils ont vraiment beaucoup de nourriture, hein, ça tombe pas. Hein. Alors,
enfin double vol, en espérant qu'il commence à mourir de faim un jour, parce que bon. Oula, oui. Ah oui, mais j'ai plus d'argent, moi, c'est vu, bon, c'est bon. La réponse est vite faite, plus d'argent dans les caisses. Ici, j'en transformerai, ici, ouais, je fais ça. Un tour, non, pas un tour, donc, on va aller tranquillou. C'est une embuscade, voilà. À la bien! À la bien! On a pu lui faire une petite tradition. D'ailleurs, je vois que j'ai une flotte, donc ma flotte qui est à Camino Ludonon, Ludunon, Ludino, Lunodon, je sais plus. Je vais l'envoyer à Iska. Ah! Ah, ça c'est pas drôle du coup. C'est-à-dire que mon Basileus est mort. Oui, nouveau chef de faction, nouveau chef. Puis bah voilà, on va les emmener là. Mourrez-vous de faim? Toujours pas, c'est fou ça. Je sais pas comment ils ont de bouffe. Hein. Ah bah ce fut rapide. Trois constructions. Ou quatre. Allez, Actaou. Dernière ville. Je crois d'Héroxolan. Oui, ça a l'air. Parfait. Et ben voilà. Que demande le peuple? On se demande. Comment se passe ma diplomatie avec eux? Ok, et Syracuse. Syracuse, on s'entend très bien avec eux, c'est ça qui est bien. Cette alliance défensive, non, toujours pas, il veut pas. C'est embêtant. Peut-être leur donner un peu d'argent, on verra. Hop. Eh ben, tu es une menace, hein. Tu vas voler plus de nourriture. Oui, il faudra m'expliquer, c'est pas grave. On se prépare pour la grande bataille d'Iska. Là, deux armées, je crois qu'elles seront complètes. Hein. Au pire, je les compléterai avec des mercenaires. Une flotte complète également. On va compléter avec du mercenaire. Ici, on est bien. Ici, on complète avec du mercenaire. Hop, les villes culottes, on déclare la guerre à Iska, bien évidemment. Voilà, c'est vite fait, bien fait. On encercle. Voilà, là déjà, si on attaque, c'est un peu plus serré. Et on continue. Avec. Ah, c'est toujours pareil, c'est toujours à viser des fois. Oui! J'ai réussi, j'ai réussi. Alors, victoire très coûteuse. Voilà, regardez là. C'était un massacre, mais des deux côtés. Hein. Et on occupe. Ils ont survécu, tiens. On n'a pas pour longtemps. Voilà. Plus de survivants. Une très grosse bataille. Ouf, c'est l'armée de garnison. Ah, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Et il en reste, c'était pas la fin. Ah oui, les vagues déferlantes. Oh, c'est pas grave. On a donc Iska. C'est parfait. Voilà, et on va faire. École des impôts, c'est bien, oui. Ouh la vache, ça monte, hein, ça monte bien. Beau parleur. Très clairement, beau parleur. Il faut que j'augmente mes relations avec mes voisins. Donc, beau parleur. Ok. C'est parfait tout ça. Là, on a un nouveau voisin. On va essayer de bien se faire voir, hein, quand même. En plus, il est. Il est hellénique, donc pas de raison qu'on s'entend mal.
Ah, demande d'agression, accès militaire. Alliance défensive. Oh, ça passe. Petit premier coup, les gars. Bon, l'alliance, pas de suite. Les Nerviens. On va refaire le commerce avec eux. Hein. J'ai oublié les attraits battent. Oh oui. Alliance défensive, pas de suite. Alliance militaire, non plus. Donner le statut de client, bon, ce sera bien tenté. Les marques comment? Comment dire, ils ont toujours pas fait la paix, eux. C'est chiant. Là, je m'entends un peu mieux avec Rome, toujours pas. On va essayer un petit paiement. Ouf, un gros paiement. La ruse de la ruse. Pouh, ça passe, les gars. C'est cher, mais ça passe. 12 000. 12 000. C'est quoi? Je vais économiser, je vais tenter l'alliance militaire. Je vais regarder mes villes, je vais virer les. Oh, c'est pas de bol. Je vais virer tous les mercenaires. Alors, le but étant de gagner. Un maximum d'argent. Ouais, bon, là, effectivement, c'est pas avec ça que je vais gagner de l'argent. Hop, hop. Oui, là, on va gagner de l'argent, là, dans quelques tours. Hein. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. J'avais oublié. Oui, j'avais. Je sais plus. C'est pas moi. Non, c'est pas vrai. C'est lui. C'est lui, je l'ai vu. C'est lui là. Ok, on gagne combien? On gagne bien. Alors, Rome. Est-ce que ça pourrait passer avec un beau paiement? Cher. Ça fait très cher. Ah. Bon, après, j'ai réfléchi. C'est vrai que j'ai vu le message de Ville-Coyote me disant attention, ils peuvent te déclarer la guerre. Alors oui et non. Alors pourquoi non? Déjà de 1, j'ai des forces un peu plus nombreuses. J'ai énormément d'alliés. Donc il déclarait la guerre à tous mes alliés, lui qui en a pas. Et enfin, qui n'en avait pas. Et oui, parce que Rome, ils sont totalement fous. Il a raison. Parce que Rome, ils sont totalement tarés. Donc, sur un malentendu, ils peuvent très bien déclarer la guerre. Ah ouais, il y a des fois. Faut pas chercher à comprendre. Hop, voilà. Axum, ils sont en guerre contre tout le monde des pauvres. Ils ont rien demandé. Ah, bah c'est qu'ils ont du beau monde, hein. C'était pas prévu tout ça. Fuyons. Courage, fuyons. Et courage, levons une armée ici, hein. Il va en avoir besoin. Voilà. Il va avoir besoin d'une armée là, hein, clairement. Peut-être même d'une troisième. Hein, qui sait? Pour ils sont nombreux. Hein. En vrai, ils sont très nombreux. Qu'est-ce que. Voilà, c'est petit à petit. Il y a qui ici? Ah, bah une troisième. C'est comme ça.
Oui, il y a des frondeurs celtes en Égypte, à Méromé, enfin au sud de l'Égypte. En Éthiopie, oui. C'est très connu, hein, t'inquiète. Tiens, comment je gagne si je les dissous? Ah zut, je les ai upgrade. Là, je suis à 10 634. Ah ouais, quand même. Hein. Ah, quand même. Ah ouais. C'est pas mal. Hein. Alors, Provincia, on va quand même améliorer ma capitale, ma province capitale, ma province mère. Voilà, et à partir de là, je ne fais qu'économiser. Même si c'est une province qu'il faudrait que je refasse totalement. Esti. Allez. Pourquoi pas? Façon, accord commercial égale plus d'argent. Pourquoi je dirais non? La bonne question, hein? Hop, hop, oui, là, effectivement. Et voilà, j'ai cette province à refaire quand même. Qui me consomme peut-être plus que ce qu'elle me rapporte, donc ce serait peut-être une bonne idée de faire quelque chose. J'ai pas. Ok. Mince! Ah zut, j'ai totalement oublié. Ah, c'est ma faute, mais alors puissance 20. Ce sont des choses qui arrivent, hein, bien évidemment. Pack de non-agression, allez, il n'y a pas de problème. S'esquiver, c'est bien. Ouais. On pourra quand même se barrer. Bah écoute, pas de soucis. Victoire très coûteuse, mais agressive. Voilà. J'ai une autre armée derrière. On exécute. C'était quoi, c'est mes accords commerciaux? Oui, avec grand plaisir. Même si je paye 100, c'est pas grave. Paix négociée, enfin! J'y croyais plus, hein. Voilà. Hop. Ah oui, c'était mon armée de mercenaires, c'est pas très grave. Résolution, mode agressive. Ouf. Ça tombe comme des mouches, hein. Là, tac-tac. On embauche du mercenaire. Même principe ici. Non, il n'y en a plus. Oh, zut. Et on va l'attaquer. Mince. Ah, je suis perdu. Oh la vache. J'ai galéré là. Voilà. Voyons voir, pouvons-nous. Très forte. Aïe, aïe, aïe. Aïe, il va falloir que je paye une blinde là. Il va falloir vraiment que je paye une blinde. Parce que bon, Africa et Cisalpina et Corsica et Sardaigne, ouais, il a tout. Hein. Africa, Cisalpina, Cisalpina. Non, Cisalpina, je l'ai en plus. Qu'est-ce que je te raconte? Oui, c'est ça. Africa, pardon. Et Italia. Autant pour moi. Je sais pas combien je vais lui proposer, peut-être 60 000, ça devrait passer, j'espère. Ah bah j'allais lui proposer de lui rejoindre la guerre contre eux et du coup on serait un peu plus copains parce qu'on taperait sur les mêmes, mais bon. Agresseurs, Atrébates, leurs alliés, Nerviens. Ah, ils commencent à me saouler, hein. Ils ont encore une province? Oh, des rebelles ici. Zut. Ah, progrès civil. Ouais, on n'en parle plus. Ils sont là, c'est ça? Non, bah ils sont où? Ils sont là. Ouf. Bon. Allez, tentons, tentons. Sénat, bienvenue. Parlez, amis de Rome et honorez.
Ah, zut! On va continuer d'économiser, on va continuer. Une petite question, du coup, c'est eux là qui ont. J'ai déclaré la guerre à qui, du coup, moi? Contre qui je suis en guerre? À Trébat. Ah, ouais. On va y aller. J'ai pas trop le choix. C'est pas cool, mais j'ai pas trop le choix, quoi. On va envoyer la deuxième armée. Hein. Hop. Je peux lui envoyer un paquet, hein, mais bon. Alors, eux, là, il serait temps qu'ils meurent un coup. Quand même, au bout d'un moment. Hop. Une troisième armée. Voilà, comme ça, on est sûr. Là-bas. Ouais, c'est bon. On va passer le tour. Ah, on va pas passer le tour. On va passer le tour, c'est clair que là. On dissout. Il y a une des deux que je peux dissoudre. Ouais, celle-là, elle est à voilà. 24 000 par tour, hein. Ah, ça fait plaisir. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Un rappel. Enfin, c'est loin du maximum que j'ai pu atteindre. Il me semble près que 200 000. C'était abusé. Je sais plus comment j'ai fait ça. Bon, je devais avoir la majorité de toute la map, quoi. Ah, mais oui, en plus, j'étais en mariage avec eux. Ah, mais quelle bande de peigneux, hein? Comme dirait l'autre, ils ont été finis avec une substance jaunâtre de type urinaire. Voilà. Je peux pas le dire de manière plus soft. Alliance militaire. Allez, je te propose vraiment là un paiement de ouf. Hein. Oh la vache, il veut pas. Attention, je suis en déche de bouffe. Bon là, par contre, ça rigole plus. J'ai pas de nourriture, c'est pas bon du tout. Hop. Ça, on s'en fiche. Justement, on va pas développer. Pas développer tout ce qui pourrait nous retirer de la nourriture. Et on va développer tout ce qui nous rapporte de la nourriture. C'est un peu dommage, j'avais réussi à économiser, j'étais content. Ah oui. Problème de nourriture égale très mauvais. On va économiser quelques tours, c'est pas grave. On va faire ça. C'est vrai que j'avais quand même réussi jusque-là à tenir bon avec la nourriture, avec très très peu de technologie, hein, mine de rien. Il me consommait rien. Et pourtant, j'ai énormément d'académia, de lycée, etc., qui, entre nous, hein, consomment énormément de nourriture. Oui, d'accord, c'est bien. C'est un tour qui est long là, quand même. Oui, oh, fais-toi plaisir. On fiche. On va le ralentir un peu. Pénurie alimentaire. Ouf, moins 27. Ah oui, mais c'est l'hiver en plus. Oh, y a. Oh, ça pue. Non, tout ça on le fait pas. Oh bah alors là on augmente, hein. Je veux pas savoir les gars. C'est bouffe, 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 bouffe. Ah oui, j'ai dit bouffe. Un hôtel de Posidon, hein, qui m'apportera de la nourriture. Ouh. Je l'ai pas vu venir. Je vous avoue que j'étais à fond en mode terminons, terminons, terminons. Et. Ouais, ou du bon vin massilien, c'est bien aussi. Hein. Après, moi je dis ça. Hein. Non, faut pas déconner non plus.
Allez, les atrébates, on se grouille, s'il vous plaît. Merci, les atrébates. La famine là, elle fait mal. Hein. Elle fait très très mal. Ah, oui, d'accord. Bon, on s'est pas beaucoup déplacé. Hein. Putain, même lui, il se traîne le cul là. C'est qui ça? Marc comment? Ah oui. On va retenter, hein, on va retenter avec Rome. De toute façon, chaque tour, je vais pas avoir le choix que de retenter. Hein. Il va me dire au bout d'un moment, t'es chiant. Hein. Ah ouais, ah ouais, c'est pire en pire. Bon, niveau bouffe, heureusement, ça remonte. Ah, je vais lui proposer un PIB, tu vas voir. Oui. Alliance militaire, voilà. Ça devrait le conforter un peu dans le fait de rejoindre mon alliance militaire. Et d'ailleurs, je vais lui demander à rejoindre la guerre avec les Atrébates. Comme ça, ils seront contents quand je les aurai explosés. Ce sera plus facile, je pense, d'avoir une alliance. Une nuit élémentaire, je sais, je sais. Allez, toi, rejoins la guerre contre. Atrébates, tu veux pas? Ah, c'est pas loin. Mais si, tu peux accepter, t'inquiète pas. Parfait, tu vois? Ah bah après, hein, votre dignité, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ah, les gars... Ok. D'ailleurs, vu qu'on a une guerre commune maintenant, c'est une alliance militaire, ça va te... Ça te plaire. Ah! Si près. On va voir si ça va mieux en tapant. Alors demande. Oula, pas de suite, mon ami. Non, surtout que j'essaie d'avoir des bonnes relations avec le Romain. Hein, donc si vous pouviez éviter, ça m'arrangerait. Totalement. Pas se mentir. Éviter de faire du caca. Comme dirait l'autre. Résolution. Attends. Ça, j'étais donné perdant. J'ai deux armées. Il avait une demi-armée. Et j'étais donné perdant. Hein. C'est beau quand même. Un saloupio. Ah, pénurie alimentaire, hein, toujours, hein, malgré mes développements. Ça, c'est fou. Hein. Allez! La résolution auto. On tue. Hop, résolution auto. Il a du mal à se relever, on voit son froc. Et on tue. Même principe, résolution auto. On tue. Voilà, une petite dernière pour la route. Ah non, on occupe. Il est toujours en vie, hein. Oh, salopio. Bon, là, Rome doit nous surkiffer. Hein. Action contre Atrébate, guerre contre Atrébate. Vous voyez. Match diplomatique avec. Ouais, non, mais c'est. C'est du passé, ça. Arrêtez. Ah, il veut pas. À l'aide. J'en ai marre. Je m'énerve. On va lui donner plus d'argent. Là, je gagne 30 000 par tour. Et je perds de la bouffe. Putain, je perds encore de la nourriture, quoi. C'est problématique. Et j'ai développé... Bon, ok, ça va mettre du temps à se construire, mais j'ai quand même développé pas mal de... Non. J'ai quand même développé pas mal d'infrastructures nourricières. Mais il est vraiment allé me chercher ici, lui? Ah, c'est pas vrai? Mais il a traversé tout... Non, mais arrête.
Mais... Et lui, il m'aiderait pas, hein, par contre. Hein. Ça t'intéresse pas de m'aider, toi. Hein. Ah, allez, tiens, fais-toi bouffer par la mare comment? Ça m'énerve quand même, j'ai perdu une ville. Enfin, ils ont bien profité, les salauds. Ah, toujours en déj de bouffe, hein, bien évidemment. On va y arriver, on va y arriver. J'ai 100 000, 100 000 talents, je crois. Bienvenue. Et que votre présence et vos mots nous fassent honneur. Je sais plus quelle est la monnaie. 118 000. Et 100. On passe de moyen bas là. Tu m'énerves. Je vais rapatrier toutes mes armées chez lui. Hein? Je vais programmer le truc pour que ça prenne tout en un tour. Voilà. Et il va pas m'énerver. Non, au bout d'un moment, je veux bien être. Toi, je veux bien être gentil et tout. Au bout d'un moment, c'est chiant. On va pas se mentir, les gars. Au bout d'un moment, bon. Donc, tu vas avoir débarqué l'intégralité de mes armées chez toi. Et je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Une alliance militaire? Ou te prendre beaucoup de choses sur la tronche, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Très clairement. On va garder ces armées là-bas. Non, même. Et tu sais quoi, j'en ai même pas besoin, là, tout ce qu'il y a là-bas. Voilà. Et voilà. Au bout d'un moment, le Romain, tu me les brises. Je veux pas être vulgaire, hein, un peu quand même. Mais tu m'énerves. La façon de la nourriture. Je vois qu'il y a encore besoin de nourriture. Ça s'en consomme pas, voilà, bonheur. Ça s'en consomme, ça c'est pas bon. Ça s'en consomme, ça c'est bon. Non. Oh. Faut y aller. Ça s'en consomme pas. Je vais faire ça m'en donne donné. Ici, bien évidemment, on change les constructions. Ah, parfait. Ça va me rapporter pas mal aussi de bouffe. Et ça n'en fait pas. Ça en consomme. Toujours pas. Ma sagesse. Ma sagesse a remplacé ma jeunesse. Elle m'a fait garder espoir dans les moments les plus noirs. Mais qui a aussi tempéré mes victoires à l'arraché? Si vous connaissez pas Cowboy Fringant, un petit groupe de rock québécois très 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 sympa. Nourriture, nourriture, nourriture encore. Ah, je pensais qu'avec tout ça, pourtant, ça devrait aller mieux. Ça irait mieux, pardon. J'en ai perdu mon latin là pendant un moment. Pardon. J'ai sacrément perdu mon latin là. Monde qui se déplace, ça c'est bien. Ah mince, lui aussi va vouloir faire le tour comme ça. Avec plaisir. Ah, ça, ah bon, ça remonte. Ça remonte niveau nourriture, heureusement. Voilà.
Parce que ça commence à devenir très compliqué. Hein. Ça non. Ça non, ça non. Ici je peux pas, ici je peux pas, ici je peux. Ah zut, ça me prend de la bouffe ça. On fait pas. C'est pas grave, se prendre la nourriture, on ne fait pas. On va passer 2-3 tours. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va lui proposer 200 000. Si 200 000 là il veut pas, là, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas quoi faire. De raisonnable, tout du moins. Bien évidemment, parce que je sais quoi faire. Mais raisonnablement, j'aurais préféré éviter ça. Non, toujours pas. Ok. Ouais, ça fait du bien la nourriture. Ouh là là. Ça fait vraiment du bien. On va pouvoir même améliorer un petit peu là, tout ça. Pas trop non plus, voilà, je pense que là pour l'instant ça fera l'affaire. Pas que je dépense trop d'argent. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit 200 000. Les déplacements. Salut! Veux-tu faire une alliance militaire avec moi? Après je dis ça, t'as le choix, hein. Je te laisse toujours le choix, hein, y a pas de souci. Pareil avec les arvernes, bon moi je serais pas loin si jamais les arvernes font volte-face. Non. On va les temporiser un peu. Oui. Alors, Rome. De moins en moins, et bah écoute, tu sais comment ça finit. Juste en guerre contre Nabatée, c'est pas grave. Nabatée, il va se calmer. Ah, ça y est, Rome, j'ai 200 000. Qu'est-ce que t'en penses? Il vient de moins en moins, lui. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Bah, tiens, regarde ma sagesse. C'est ça, ma sagesse. Tu m'énerves. Oui, je sais. Je vais te les forcer à les accepter. Mais pareil. Hop. Là. Faut vraiment que je leur fasse faire que traverser la Gaule. Agresseur, Pergamon. Mais Pergamon, t'es con à quel point? Je suis obligé de rompre l'alliance parce que c'est des pinks. Arrêtez! Non mais. Entrer en guerre avec Ardan. Quoi? Hein? Quoi? Mais. Hein? Mais. Il n'y a pas d'Ardan, il y a les Bruces et les Marcomans. Mais comment je sais, moi, du coup, qui c'est que je rejoins? Mais. En guerre contre les Bruces, je crois. Ouais, c'est ça. Mais regardez-moi! Regardez-moi ça!
Ah, le sort, il s'acharne sur ma tronche. Oh, là, là, là. J'ai mené la bataille sur le champ.